correction des déformations de l'oreille chez le nouveau-né, c'est ça? Tout à fait. Eh bien, on vous écoute. Merci beaucoup. Vous me voyez et vous voyez le PowerPoint? C'est bon. Parfait. Alors, je vous remercie. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Je remercie évidemment la filière d'avoir pu financer un travail qu'on est en train de mettre en place au CHU de Caen, dans le service de chirurgie maxillofaciale du professeur Benato, qui est une étude de comparaison de deux techniques de molding auriculaire. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une déformation auriculaire? Il ne faut pas confondre déformation et malformation. Les malformations, ça va être les anosies, les microcies. Et donc là, c'est exclu de cette étude. Nous, on parle vraiment des déformations. Les déformations, ça va être des modifications des reliefs classiques de l'oreille, alors que toutes les structures anatomiques vont être présentes. Il va y avoir différents types de malformations. Il va y avoir des malformations type lop ear. À ce niveau-là, on peut avoir également des malformations un peu plus complexes de l'hélix, pardon, des oreilles de Stahl. On va avoir l'oreille un peu plus pointue, qu'on appelle également les oreilles de Spock. Ou alors, on peut avoir des crusses concales. Donc là, on voit une crusse au niveau concale. Donc toutes ces anomalies peuvent être corrigées. Alors, quel va être l'intérêt du molding? Donc il faut savoir que spontanément, il peut y avoir une amélioration de ces déformations, mais uniquement dans 30% environ. Ce qui signifie qu'il va y avoir environ 70% des oreilles initialement déformées, donc à la naissance, qui vont garder des séquelles donc, de déformation. Ce qui va être très intéressant à voir, c'est qu'en période néonatale, donc c'est vraiment dès les premiers jours de vie, on va avoir une malléabilité du cartilage qui va être plus importante que plus tardivement, qui va être due notamment à une imprégnation œstrogénique, à une augmentation du taux d'acide hyaluronique, donc qui entraîne cette malléabilité qui va être augmentée. Et surtout, si on se dit que si on arrive à corriger les déformations de ces oreilles déformées en période néonatale grâce au molding, et ça permet tout simplement d'éviter une éventuelle chirurgie plus tard, et donc je pense que c'est également toujours une bonne chose à faire. Alors, quand est-ce qu'on va réaliser ce molding? On va le réaliser de manière vraiment précoce dans les 10 premiers jours de vie. C'est vraiment important. Il y a eu des études qui ont été faites et qui font vraiment le distinguo entre avant 3 semaines et après 3 semaines. On a vraiment une amélioration dans 97% des cas lorsqu'on prend en charge ces déformations avant 3 semaines, alors qu'on descend à 79% alors que c'est après 3 semaines. Donc on voit bien que la malléabilité du cartilage, elle diminue assez rapidement dans les premières semaines de vie. Donc nous, au CHU à Caen, on privilégie vraiment de faire de manière très précoce dans les 10 premiers jours. Et pendant combien de temps il faut réaliser ce molding? Il faut réaliser pendant 6 semaines. Pourquoi? Parce qu'on s'apercevra qu'au bout de 15 jours déjà, on peut avoir une correction de la déformation d'oreille. Mais ce qui est important, c'est vraiment de laisser passer le temps pour maintenir cette correction, en fait, pour diminuer pour qu'on perde la qualité de malléabilité du cartilage et finalement en bonne position une fois qu'on les aura corrigés. Et donc après, ça permettra d'avoir un résultat qui sera pérenne dans le temps. Alors, quelles sont les techniques qui sont utilisées? Il y a la technique classique, le IRWELL, la technique du marché. Donc, le principe, je pense que vous connaissez. Il y a un ou deux petits problèmes par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose de sur-mesure. On va avoir des rétracteurs qui vont être donc de tailles différentes, mais qui ne vont pas être sur-mesure par rapport aux déformations d'oreilles de l'enfant. De même que les conformateurs concaux, ils sont standardisés et ils sont pas personnalisés aux patients. Et donc, nous, dans notre service, on utilise un conformateur qui va être sur mesure, qui ça va être tout simplement un conformateur qu'on va faire siliconé grâce à l'aquasil. Donc l'aquasil, c'est un silicone qui par polymérisation va finalement durcir. Donc initialement, vous pouvez voir, on va le mettre en place au niveau de la déformation d'oreille en mettant l'oreille en bonne position, en tout cas dans la position anatomique que l'on souhaite, et on va laisser polymériser le temps que ça durcisse en bonne position. Comme ça va nous permettre ensuite de pouvoir fixer notre aquasil polymérisé qui va permettre de maintenir la bonne position d'oreille sur plusieurs jours, plusieurs semaines même. Ensuite, une fois que l'aquasil moulé a bien durci, on va le fixer par des stéristrips, comme vous pouvez voir, et ensuite on va recouvrir par un Mépilex, donc un pansement siliconé type Mépilex, qui va permettre uniquement de protéger. On va également bien expliquer aux patients, aux parents surtout, l'endroit, le positionnement du silicone, et il faut voir que le pansement, il faudra le changer par les parents de manière assez simple, tous les 2 à 3 jours.
ils l'enlèvent, ils peuvent nettoyer un petit peu, ils remettent la conformation sur mesure et ils la refixent par des stéréstrips. Donc, on a mis en place une étude MOLDIR qui nous. On avait envie de voir si notre technique sur mesure, qui a un coût un petit peu plus bas en plus que Pierre-Well, n'était pas inférieure en termes de résultats. Donc, l'objectif principal de cette étude, c'était ça, de démontrer que notre protocole sur mesure était au moins équivalent au Pierre-Well. On avait également un objectif secondaire qui était de savoir si on avait une bonne tolérance cutanée. Et on peut voir également s'il n'y avait pas, au niveau de la praticité, si ce n'était pas trop compliqué. Parce que le Airwell, a priori, on le met en place, mais on n'y touche plus trop. Alors que pour le sur-mesure, bah, il faut refaire régulièrement les moulages, comme je vous le dirai après. Et puis, il y a aussi les parents qui rentrent en jeu dans la prise en charge. Il faut savoir qu'évidemment, il n'y a pas de modification du calendrier, ni de la technique que l'on fait habituellement dans notre service. L'étude n'est pas encore officiellement démarrée puisqu'on attend le résultat du CPP qui devra arriver normalement début avril. Donc le molding, comment il est réalisé? Bon, il est une technique qui est strictement indolore. Hein. Au terme d'une consultation par le chirurgien qui va objectiver la déformation, on va évidemment prévenir les parents que on va faire ce molding. Idéalement, il faut que l'enfant ait été nourri dans l'heure avant le modelage, ça va permettre vraiment d'avoir un enfant qui va être plus calme, souvent endormi, ça se fait tout seul. Parfois, il y a une nécessité de raser les cheveux. Après, au bout de quelques jours, les enfants n'ont pas tous des cheveux, mais parfois, il est nécessaire de raser les cheveux pour permettre d'avoir un maintien du conformateur. Donc, en termes d'évaluation, donc évidemment, on recueille le consentement des parents. En termes d'évaluation, on faisait des photos à J0. 6 semaines après donc l'arrêt de la conformation et un petit peu à distance d'environ 3 mois. L'étude était randomisée, c'est-à-dire que on avait un tirage au sort pour savoir quelle technique on utilisait, le Airwell ou la technique manuelle. Et enfin, bah, évidemment, tous les patients pouvaient quitter l'étude lorsqu'ils le souhaitaient. Voilà, donc ça j'en ai un petit peu parlé. Les enfants étaient vraiment recrutés de manière, étaient inclus de manière vraiment précoce, avant 4 semaines, mais idéalement, enfin, même plus tôt, on les recrute dès la première semaine, 10 jours. Les critères d'exclusion, c'était les malformations auriculaires et les syndromes polymalformatifs. Et enfin, avec le statisticien a montré qu'il fallait qu'on recrute 134 enfants. Dans chaque bras pour nous permettre d'avoir une... pas 134 dans chaque bras, 134 en tout, donc 67 dans chaque bras, qui nous permettait d'avoir une... pour voir s'il y avait une différence significative ou pas d'efficacité. La consultation, donc il y avait initialement une première consultation qui permettait de diagnostiquer la déformation. La deuxième consultation, qui était donc dans les 10 jours, qui permettait donc de recueillir le consentement, d'inclure le patient dans l'étude et de réaliser les photos et le molding sur mesure. Il y avait ensuite une consultation tous les 7 jours, 6 semaines, jusqu'à 42 jours, pour contrôler la tolérance, pour voir s'il n'y avait pas lésion au niveau cutané, et également réadapter, si besoin, le moulage sur mesure à la croissance d'oreille. Et enfin, on fait une consultation à distance qui est plutôt à 3 mois, pas à 1 an, excusez-moi. Quels sont les risques de cette étude? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est une technique que l'on utilise déjà à nouveau, c'est à CHU de Caen. Le risque lié au modelage à proprement parler, on sait qu'il y a des irritations cutanées qui sont a priori plus présentes, qui sont assez présentes avec le Airwell. Et enfin, il y a toujours un risque de correction qui est insuffisante. Donc ici, on a quelques résultats préliminaires sur les premiers patients qu'on a pu faire. Donc les patients, vous voyez, initialement, ils avaient cette déformation à l'OPIR, qui ont été corrigés pendant 6 semaines, et on se retrouve vraiment avec une correction qui est satisfaisante. Encore un autre patient, la petite Manon, pareil, qui avait le même type de déformation. Donc là, c'est la photo...
pansement Mépilec sur l'oreille. Et on voit au bout de 6 semaines qu'on a vraiment la correction qui est satisfaisante. Et donc pour cette étude, je remercie évidemment la filière Tête-Cou d'avoir soutenu ce travail et vous ne manquerez pas de vous donner les résultats dès que nous aurons fini d'inclure tous les patients. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, merci beaucoup. Oui, c'est une technique très, très intéressante, le moulage précoce. Alors, on a eu la chance de le débuter ici au Necker aussi, il y a 2-3 ans aussi, effectivement, avec des résultats. Une question d'abord, est-ce que dans votre expérience donc, préliminaire, la tolérance cutanée serait la même avec les deux types de moulage, avec le Yarwell et le moulage? Non, elle serait meilleure. D'accord. On a moins d'irritation, ouais. D'accord. Mais... que le Yarwell. Bien sûr. Des questions dans le public, oui? Oui, bonjour Charlotte Sellery. En fait, moi, je suis ORL ici à Necker et je fais de la conformation d'oreilles des nouveau-nés depuis déjà 4-5 ans. Ça marche et en effet extrêmement très bien. Au début, j'avais commencé par le Earwell hein, parce que c'était ce qui était le plus disponible. Et finalement, en fait, en pratique, on s'adapte à chaque patient. Donc on fait un peu du sur-mesure, alors soit avec des tuteurs. Moi, j'utilise beaucoup les boules qui sont en silicone, finalement, parce que c'est très simple à acheter en pharmacie. Et puis, y a les parents les modèles comme de la pâte à modeler. Donc ça marche très, très bien. Ce qu'il faut surtout, c'est une très bonne information des pédiatres de maternité, des premiers qui voient les enfants finalement, et c'est comme ça que le réseau fonctionne. Ils m'envoient directement les photos et comme ça, on peut être assez réactif parce qu'en effet, la précocité de la prise en charge est importante. En sachant que sur certaines oreilles très souples, on peut avoir sur des oreilles de Stahl, par exemple, à 2 mois, 3 mois, moi j'en ai modelé avec des très très bons résultats. Donc que les parents n'hésitent pas à envoyer des photos et à voir les patients en vrai, parce que parfois, eh ben, on peut avoir des surprises et on peut avoir des bons résultats, même avec une conformation tardive. D'accord, très bien. Et pour le coup, le Earwell, en effet, il y a plus de complications cutanées, alors que le modelage un peu maison, ça permet en fait que les parents le refassent régulièrement et d'avoir moins de complications cutanées. En tout cas, on attend. Je suis d'accord avec vous par rapport à la relation directe avec les maternités, puisqu'effectivement, nous aussi, c'est comme ça qu'on recrute les patients pour le moment. C'est indispensable. Et par contre, c'est extrêmement chronophage. Donc, nous, on réfléchit à former notre infirmière de soins thérapeutiques pour qu'elle le fasse elle et pas. Voilà. Parce qu'on a trop de demandes. Nous, on a un interne dédié. Alors, aux États-Unis, il faut savoir qu'ils font des consultations seulement pour ça, les ORL. D'accord. Voilà. D'accord. Oui, une autre question ? Moi, je me posais juste la question du recrutement. Vous avez beaucoup de parents qui, à J1, J2, sont demandeurs de... Enfin, c'est... Alors, purement parce que ça me surprend. Parce que... C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Oui, c'est ça. C'est un peu comment ça se passe que ça me... On a rarement une demande, nous, en fait. C'est tout simplement à la maternité, on nous le signale et les patients sont encore hospitalisés puisqu'ils viennent de naître, ils ont 1 jour, 2 jours et c'est nous qui nous déplaçons directement en fait. Et on leur dit effectivement, votre enfant a l'oreille déformée, on peut vous proposer quelque chose. Et puis là, on redonne un rendez-vous la semaine d'après. Où, voilà. On explique initialement sur la première consultation, quand la maman est encore hospitalisée, l'enfant a que quelques jours. Quoi. Alors, je dirais qu'on est, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que déjà, c'est le pédiatre qui a été informé et formé pour ça, qui nous envoie des photos. Moi, je demande toujours aux pédiatres de demander aux parents s'ils ont envie qu'on fasse quelque chose avant de les rencontrer, parce qu'il y a des parents pour qui ils n'avaient absolument pas vu qu'il y avait une différence de forme de l'oreille, pour qui ça n'a aucune importance, et donc du coup, on les rencontre que s'ils sont en demande. Mais par contre, on a des parents qui nous contactent par l'entreprise Colin qui commercialise le Earwell, parce que eux, ils avaient signalé que les oreilles étaient déformées au pédiatre qui a dit non, c'est rien, on peut rien faire de toute façon, alors qu'on pourrait proposer quelque chose précocement. Et eux, pour le coup, ils arrivent tardivement et c'est un peu dommage parce que parfois, sur certaines déformations qui chirurgicalement donnent des mauvais résultats, comme les oreilles de Stahl, après, ça fait des choses pas terribles chirurgicalement. Si on les voit précocement, on peut vraiment avoir des super résultats. Après, on peut tout à fait imaginer que la connaissance de cette technique sera répandue dans la population générale, que son innocuité soit, quel que soit le type de moulage établi, il y a une explosion des demandes et il faudra s'organiser pour les trier parce qu'elles seront pour beaucoup justifiées, pour certaines injustifiées aussi, ou seront juste des demandes d'information, mais ça va de toute façon prendre énormément de temps. Donc, c'est
C'est très chronophage, ouais. Extrêmement chronophage, le fait que les parents, voilà, rien que sur nous, on fait un premier tri sur des photos, répondre aux parents, regarder les photos, on fait après un suivi par photo parce qu'on a des patients qui viennent de loin, donc tous les 15 jours, ils envoient des mails pour voir si tout va bien, si la conformation se passe bien, c'est très chronophage. Pour une rentabilité, évidemment, quasi nulle. En tout cas, docteur Vessia, merci beaucoup. On attend avec intérêt, grand intérêt le résultat de vos travaux quand ils seront disponibles. Et je partage votre désarroi face à la lenteur, enfin, pas systématique, mais fréquente du CPP. Enfin, pour évaluer les dossiers, c'est quand même toujours assez lent. Alors, je ne dis pas que c'est systématique partout, hein, mais quand même, ça l'est, en général, très souvent. Deux dernières questions, remarques ? Non, mais merci beaucoup dans ce cas-là.